relation au bout. Oui, si vous voulez, 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 vous en face, si à ti menou, man n'y a plus, tu as bien. On met tiens, tu dis, allons en beau, colonne en beau, colonne en beau, colonne en beau, un yon n'y a pas un croyant, non, man n'y a plus, tu as bien sou, y a des flèves qui y a soin, non, en ma mon sou. Et de mon ni l'eau, et tiens, et n'y a dix bon, pas pour les sous, et que l'autre l'aurait paré sous. Port d'Abidjan, café, cacao, quoi pour le pot, ma bouée, par des sous port d'Abidjan, il dit ce que c'est bon, nous l'aurons. Que ce combat que nous menons, nous ne le menons pas pour nous, mais nous le menons pour que nos futures générations puissent bénéficier du principe minimum et vital universel de souveraineté. De souveraineté du peuple. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je suis allé un jour à Yobougon. Yobougon, sosie fia. Là-bas, j'ai croisé une co dans un bar. On était en train de boire. J'appelais la serveuse et je lui ai dit, va là-bas, la fille qui va dans les toilettes là, demandez-lui pardon en haut. Je veux son numéro. Un billet de 2000 dessus. Elle est revenue. Elle m'a donné le numéro. J'ai commencé à composer un petit message. Chérie, c'est moi en chemise Carola. Et puis je te vois, tu ne fais que défiler par ici. En tout cas, j'aime ton affaire. Oh, Fia, Sojele, yo. Fia, Sojele. Fia. D'abord, elle a répondu à mon message. Elle a répondu. À mon message, elle dit je suis avec mon copain. Demain, il ne sera pas là-haut. Appelez-moi demain, oh, Fia. Fia. En demain, 18h, oh, j'ai appelé là-bas. On s'est donné rendez-vous quelque part vers mon quartier. Mes amis, regardez. Son arrivée là, elle est venue dans un taxi. Avec sa tante et puis ses deux cousines arrivées payées. J'ai rien dit, oh, femme de Sojé Fia, Fia, Sojé, oh, Fia, arrivée payée, Fia, Sojé Fia, oh, Fia. J'ai payé le taxi, le premier maquis d'à côté. On s'est assis, ça fait 30 minutes qu'on est là. Je ne suis qu'à ma première bière. Salut à tous. Regardez devant les cousines, chacune a sa cinquième. Bon. Et la tante de ma femme, la même, c'est elle qui va me dire. Oh, Fia. Sojele, yo. Fia. Elle boit du vin. Fia. Moi, je bois de la bao. En tant que bon Ivoirien, je buvais une grosse bière. Jamais. Les cousines, Jamais. Elles boivent Grinken. Bon, j'espère que vous allez bien. Grinken. Les cousines de Mango, elles ont commandé une ringaine. On voulait faire quoi? C'est-à-dire dans mon agent, elles vont boire plus que moi. On a bu, 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 vous savez, pointage d'aujourd'hui, c'est comme campagne d'élection. Pour être élu, tu dois dépenser. Alors j'ai saigné, oh, j'ai saigné, j'ai saigné, oh, j'ai saigné, j'ai saigné, oh, j'ai saigné, j'ai dépensé, oh, j'ai payé. Fia, Sojele, yo. Fia, vers 19h, j'ai fait semblant d'avoir sommeil.
J'ai dit à ma chérie Bobo, bébé, ça dit ta peur là. La peur elle-même, c'est quoi? Elle me dit, c'est que... ma tante et mes cousines ne vont pas aimer ça. Oh. Va, appelle-moi demain. Un sentiment. Ah. La c'est peur, c'est un sentiment. C'est pas vraiment. Pardon, vous n'en êtes pas? C'est comme ça, je suis rentré chez moi. Ok. I don't get that. Attendez. Noise. Ouais, allô, ça va mieux ou bien il faut que je diminue un peu ça? Peut-être que c'est trop élevé. Voilà. Peut-être que j'avais trop élevé ça. Voilà, donc c'est ça qui crée le problème. Voilà, c'était un peu trop élevé. Ah, désolé. Voilà, je pense que dans la vie, tout le monde a peur, ok? Tout le monde a peur. La peur, c'est quelque chose de normal. C'est pas quelque chose... C'est normal. La peur, c'est quoi? La peur, en anglais, on dit quand une personne a peur, il y a deux choses qui arrivent dans ton corps. On dit, quand tu étudies ça, on te dit « fly or fight ». Fly or fight, quand tu étudies la personne humaine, c'est-à-dire que fuir ou se battre, tu n'as que ces deux options-là. Voilà. Donc la fuite, par exemple, ce n'est pas seulement fuir, prendre ses jambes à son cou, c'est aussi ne rien faire, baisser sa tête. Est-ce que vous voyez? Quand vous faites face à quelqu'un qui est beaucoup plus fort que vous, soit vous vous battez, soit vous fuyez. Vous pouvez fuir en abdiquant, oui c'est bon, excuse-moi et tout. Vous pouvez fuir en ne pas, vous regardez pas la, le visage de la personne, vous retournez. Ça dit que vous abandonnez physiquement, moralement et tout. Maintenant il y a le fight. Le fight c'est le combat. Soit vous battez physiquement, soit vous battez intellectuellement. Et dans la phase, là où on est, la phase 2 de ce combat, c'est vraiment le combat. Ce n'est pas physique en fait. Ce que les gens ne comprennent pas, ce n'est pas un combat physique qui est demandé. On demande simplement de sortir et de vous exprimer avec des marches. C'est vrai, il y a eu des provocations, on essaie de mettre ça sur le dos de l'opposition et tout. C'est normal. Parce que ça aussi, c'est une technique du gouvernement en place pour dire que ouais, l'opposition sème le désordre, trouble à l'ordre public, patati patata. C'est normal. Sûrement, il y a eu des blessés, il y a eu des morts. C'est normal. Souvent, on va me dire, ouais, tu es là, tu es en Australie, tu dis ça et tout ça. Ouais, je suis en Australie, je dis ça. Chacun joue sa part. C'est comme la musique. C'est comme la musique. Chacun joue sa corde. Chacun joue sa corde. Voilà. Dans la politique, c'est ça. C'est pas tout le monde qui sort pour se battre. Dans la guerre, c'est pas tout le monde qui se bat. Il y a les généraux qui sont là et qui dictent, faites ça, faites ça, faites ça. Dans la guerre, il y a les cerveaux, il y a les cuisiniers, il y a ceux qui nettoient, il y a ceux qui sont là seulement pour donner les munitions, et il y a ceux qui tirent, et il y a ceux qui sont au combat. Il y en a qui sont là, ils guettent, ils loupent, il y en a qui lisent les cartes. C'est ça la guerre. Donc, quand il y a un combat, c'est pas comme si tout le monde doit aller au front. Ceux qui sont là, c'est au fait, c'est la nouvelle musique. C'est la musique. C'est la musique. Oh, vous êtes là, vous voulez inciter les gens. Ah, Cédric, j'ai pas eu le temps de te dire merci la dernière fois. En tout cas, merci beaucoup. Et c'est bon, merci, c'est pas la peine. Merci pour ce que tu as fait, c'est gentil. Merci. Voilà, ce que je voulais dire ici, c'est quoi? Le plan d'Alassane est en train de marcher jusqu'à présent. Ça marche jusqu'à présent. Bon, ce que vous n'avez pas compris, c'est quoi? C'est qu'il a, il a un plan. Moi, je vous ai dit toujours, ça fait combien de temps que je vous répète ici? Alassane a toujours 2 pas, 3 pas, 4 pas d'avance sur tout le monde. Il a préparé le conseil constitutionnel et tout ça. Et quand il a su que les gens allaient sortir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a
demander un conseil constitutionnel d'approuver les élections. Comme ça, on dit oui, il a gagné. Mais malgré ça, est-ce que vous avez vu des lettres de présidents, que ce soit africains, européens, américains, asiatiques, ou bien des gens venir lui dire « Ouais, c'est bon, tu as gagné ?» Parce qu'ils savent que ces élections-là ne sont pas des élections inclusives. Pas des élections inclusives du tout. C'est là que le fanatisme de certaines personnes vient... I'm doing well, man. C'est là que le fanatisme vient gâter. Parce que les gens qui sont fanatiques, quand tu es fanatique, tu n'as pas cette vision-là. C'est-à-dire que you don't have the big picture. Okay? Vous ne voyez pas tout ce qui se passe autour. Parce que c'est le fanatisme qui est là. C'est le fanatisme qui est là. Vous avez vu, les gens sont sortis. Tout le monde disait que l'opposition ne pouvait pas faire sortir les gens. Mais les gens sont sortis. Et ça, c'est une preuve encore que on n'apprécie pas vraiment le gouvernement en place. C'est juste la peur. C'est la peur qui fait que le nombre de personnes... S'il n'y avait pas la peur, le nombre de personnes sorties là, le nombre de personnes sorties serait peut-être 5 fois plus. Moi, je vous promets ça. S'il n'y avait pas de ces vidéos qu'on met sur le net pour effrayer les gens, parce que quand on prend Afik Gessan et qu'on le met... dans les news comme ça, on le met sur la toile comme ça, on le trimballe et tout. Et ce qui me fait mal aussi, ce sont ces bourreaux eux-mêmes qui le filment. Ces bourreaux le filment et puis ils font, ouais, vous savez, on lui pose certaines questions, ouais, vous dites que vous êtes bien traité et tout ça. Vous savez, j'ai vu la vidéo de Soro Guillaume il y a quelques heures qui disait, quand on m'a pris, on m'a mis en prison, dans les années 90, je crois, on m'a fait pareil, on m'a bien bastonné. Et après, on m'a habillé, on m'a laissé me prendre une douche et on m'a dit de dire oui à toutes les questions qu'on me pose et d'accepter que j'ai été bien traité et patati patata. C'est la même chose qu'on a fait à Afik Gessan. Quand vous regardez le visage d'Afik Gessan, en toute honnêteté, est-ce que le monsieur était serein? Est-ce que le monsieur était serein? On connaît Afik Gessan. Quand il vient, quand il parle, quand tu le vois même là, il tremble un peu. Parce qu'il a passé, il connaissait même pas la date. Il ne connaissait, c'est ça, il était perdu, il connaissait même pas la date. Il savait même pas quel jour il était. Parce qu'il était dans le noir, il était enfermé. Est-ce que vous voyez? C'est une preuve encore qu'il a été enfermé pendant tout ce temps-là. Il ne sait même pas s'il fait jour, s'il fait nuit, rien. Un ancien premier ministre d'un État. Un ancien premier ministre. Traité comme ça. J'étais sur les réseaux sociaux comme à moins que rien. Le gouvernement en place n'a aucun respect. Pour personne. Il faut ici passer le cap. Tu es ivoirien, tu n'es pas ivoirien, patati patata. On ne parle plus de ça. Alassane n'est pas ivoirien. On ne parle plus de ça. Alassane est ivoirien parce qu'il est président de la République de Côte d'Ivoire. Il est ivoirien. Alassane est ivoirien parce qu'il a travaillé pour la Côte d'Ivoire. Laissez tomber cette histoire d'ivoirien, il n'est pas ivoirien. Pourquoi? Parce que vous mettez l'huile sur le feu. Vous mettez encore de l'huile sur le feu. Parce qu'on va toujours utiliser ça. Parce que j'ai vu sur la page FPI qui disait « Mossi Draman ». Non. Non, il faut arrêter ça. Ça, c'est fini, ça. On ne parle plus de ça. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est montrer aux Ivoiriens, éduquer les Ivoiriens sur la politique actuelle et qu'est-ce qu'ils doivent faire. C'est tout. Cette histoire de Burkinabé, Ghanéen, Japonais, laissez tomber ça. Maintenant, le titre de la vidéo, c'est quoi? Abidjan, le terrain à conquérir. Abidjan est vraiment le terrain à conquérir. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi les gens d'Abidjan doivent sortir. Salut Poutine. Pour
pourquoi Abidjan doit sortir. Nous parlons ici, hein, la capitale économique, la capitale politique. Enfin, on dit que c'est Yamoussoukro, mais tout c'est Abidjan. Tout c'est Abidjan. Donc tout le monde peut sortir de gauche à droite, mais pourquoi est-ce que Alassane protège Abidjan? Il sait que c'est là tous ses investisseurs habitent, les Français, les Américains, les Japonais, les Chinois, les Indiens, les Asiatiques. Tous les boss y sont. Pour pouvoir changer les choses, il va falloir qu'Abidjan bouge. Si Abidjan ne bouge pas, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Nothing's gonna happen until people start moving in the capital city. That's what's up. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Toutes les petites villes qui sont pas loin, il faut marcher de ces villes-là jusqu'à Abidjan. Il faut faire ça. Pour les gens qui sont super ados, moi je vais vous dire une chose. Ado va tomber. Même s'il devient président, même s'il commence son truc, l'opposition ne lâchera pas. Les Ivoiriens ne lâcheront pas. On ne lâchera pas. Il va falloir qu'on se batte jusqu'à la fin. Il faut se battre jusqu'à la fin. On parle là de votre pays. Ce n'est pas une question de djoula. Ce n'est pas une question de nordiste. Ce n'est pas une question de sudiste. Ce n'est pas une question de centre. Il est temps de comprendre que ce combat-là, c'est pour vos enfants. C'est pour nos enfants. C'est pour le futur d'un pays. Ça n'a rien à voir avec la personne qui est en place. Ça a tout à voir avec le système qui est mis en place. Pourquoi le système qui est mis en place ? Depuis que nous parlons ici, est-ce que vous avez entendu les pays de la communauté internationale, un président, prendre position pour le peuple ivoirien? Non. Parce qu'ils ont leurs intérêts, ils ont leurs relations, ils ferment leur bouche. C'est pas leur problème jusqu'à ce que le peuple se soulève réellement. Et ça vient juste de commencer. Nous sommes à la phase 2. La phase 3, pour moi, c'est Abidjan. Quand tu veux tuer un serpent, frappe à la tête. La tête, c'est Abidjan. Tout le reste, là, c'est que tronc et tout ça. Important de frapper le serpent à la tête. Sinon, il te mord. Et puisque l'opposition est en train de s'amuser avec la queue, ou bien, je sais pas, des partis qui ne comportent pas les organes vitaux du serpent, alors, Alassane Ouattara est toujours serein. Il faut s'attaquer à Abidjan. Il faut s'attaquer à Abidjan. Quand c'est pas fini. Il faut pas croire que, ouais, nous sommes sortis hier et tout, et puis c'est bon. Non, c'est pas ça. C'est la continuité. Vous avez vu les gilets jaunes? Vous avez vu en Thaïlande? Est-ce que vous avez vu la Thaïlande? Est-ce que vous avez vu les images de la Chine ou à Hong Kong, par exemple, quand j'y étais? Quand ils font la grève, tant qu'ils n'atteignent pas leur but, ils sont dans la rue. Si tout le monde était sorti à Abidjan comme il se devait, les échos allaient être partout. Et pour vous dire que, pour vous montrer encore que les journaux de l'extérieur, les journaux de l'extérieur et les pays de l'extérieur ont joint leur force à Alassane Ouattara. Est-ce que vous voyez toutes ces images qu'on a eues sur Facebook, toutes ces personnes qui ont fait des live streams? Est-ce que vous avez vu ça sur TV5? D'ailleurs, est-ce que vous avez vu ça d'abord sur la RTI? Je pense pas. Je regarde même pas la RTI, mais je doute fort que vous ayez vu quelque chose sur la RTI. Encore une autre chose à dire. Vous vous souvenez, Poutine et moi, nous avions dit ici qu'il ne fallait pas que Mamadou Koulibaly se joigne à l'opposition à un certain moment, parce que nous avons dit que ce sont des gens qui sont toujours des traîtres. Ils trahissent quand ils doivent le faire. Afin Guessant a tenu tête jusqu'à la fin. Bédi est resté. Mais regardez ça.
Mais quand je regarde, quand je lis ça, mais ça me fait mal. C'est pas lui qui s'est levé pour... C'est pas lui qui s'est levé pour aller jusqu'au stade avec eux. Ah, Claude qui s'est même enlevé le mot à la bouche parce que moi je voulais dire que c'était une taupe, en fait. C'était une taupe. C'est une taupe. Il est parti pour prendre des informations et relayer ces informations là à dos. Soit c'est ça, ou soit il a peur, il a reçu des menaces, ou soit il a eu simplement peur parce qu'on a récupéré Bédier, on a récupéré Afi et tout ça. Donc voilà. Alors la peur l'a pris et il a carrément changé. Il dit bon, il veut pas dire ce qu'il pense de peur de représailles, de peur de prison. Monsieur Marcel Amontano, quand on veut pas faire quelque chose là, faut, mais c'est même pas la peine de commencer. Salut Kwasi. Si tu veux pas aller jusqu'au bout, c'est pas la peine de commencer. Laisse béton. Qui peut discuter avec Ado? Combien de personnes ont essayé de discuter avec Ado? Si Ado aimait la discussion, depuis le début, quand on lui disait que la Constitution, on ne la voulait pas, quand on disait qu'on ne voulait pas qu'il se présente pour un troisième mandat et qu'il devait prendre une autre personne et mettre cette personne-là en tant que candidat pour le RHDP, il l'aurait fait. Toutes les concessions que les autres personnes ont fait pendant tout le temps de leur dialogue avec lui, il aurait dû faire aussi certaines concessions. Mais il est resté sur sa position du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, Marcel Amontano nous parle de dialogue. Est-ce qu'on peut dialoguer avec Ado? Il n'y a pas fini. Hein. Il y a des gens qui sont pressés matin. Là. Il y a un gars qui veut me mettre dans sauce aujourd'hui. Allô? 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 Ah? C'est quelle science? Oh, attends. Il y a changé de câble là. Ah, c'était pas bien branché. Ouais, c'est bon maintenant, tu m'entends? C'est toi qui avais appelé? Voilà, c'est moi, toujours, comme d'habitude. Ah, ok. On en est. Comme je disais là-haut. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire là? Aujourd'hui, là, il fallait que j'appelle. Parce que tes gars, là, quand ils appellent, là, moi-même, j'ai lu le téléphone et eux, c'est pas du jeu. Non, il y a pas. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Je demande à tes abonnés de Facebook. Hein, eux, il faut toujours les dire. Pardonner et partager. Parce qu'ici, c'est démocratie. C'est un débat intellectuel où nous invitons tout le monde, tout un chacun à venir participer. Récupérez le numéro d'Adams. Si vous n'êtes pas content et que vous pensez qu'Adams critique trop le RADP, cherchez à convaincre Adams. Récupérez le numéro qui est là-bas, là, en haut, là, qui défile. Là. Appelez-le et dites-lui vos bains. Lui aussi, tel que le connaît, il va chier pour vous aussi. Donc, je commence mon direct. Je dis... Parlons d'abord de ce qui se passe actuellement. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que le président Alassane Ouattara va tomber. Et nous avons été les cyberactivistes. Excuse-moi, je ne veux pas insulter mes camarades, non. Mais nous faisons partie d'un des cyberactivistes les plus lucides qui avons compris ce qui se mettait en place en Côte d'Ivoire, en particulier en Afrique. Les gens travaillent trop dans l'émotion. Et j'aimerais ici profiter de ton direct pour lancer un appel à mes confrères cyberactivistes. Je l'ai dit une fois. Quand tu sais que ta femme t'a trompé ou ta copine t'a trompé pendant que vous viviez ensemble et que tu sais que si elle vient chez toi à la maison là, tu vas la gifler. Est-ce que tu es obligé de l'appeler au téléphone pour lui dire si tu viens à la maison, je vais te gifler? En disant ça là, est-ce que tu es sûr qu'elle va venir à la maison? Elle va pas venir à la maison.
Je vais alerter nos cybernativistes pour dire, on veut faire tous tomber Ouattara. On veut que Ouattara n'a qu'à partir. Ouattara n'a qu'à quitter le pouvoir. S'il veut, n'a qu'à rester en Côte d'Ivoire, là. Mais une chose est sûre, il n'a qu'à quitter le pouvoir. Mais je trouve que on parle trop sur la toile. Lundi, il y a un groupe qui a venu dire, on va aller attaquer le palais présidentiel. Mardi, il y a un groupe qui a venu dire, on va frapper Anus de Ouattara. Mercredi, il y a un groupe qui a venu dire, on va donner cocotte à Ouattara. Mais je dis, oh, plus on parle comme cela là, vous ne voyez pas que Ouattara se prépare, il anticipe. Mais nous là, on n'anticipe pas, on dit. Ça me rappelle une histoire. Lorsque le président Laurent Gbagbo quittait du pouvoir, les Gor, les Gbagbo étaient les meilleurs sur la plateforme. Mais avec eux là, chaque jour il y avait coup d'État. Eux, c'est chaque jour qu'ils viennent sur la toile, cette année la Ouattara va partir. Cette année la Ouattara va partir. Ouattara restait qu'elle a fait 10 ans au pouvoir. Aucun Gbagbo n'a réussi à l'enlever. Je veux juste interpeller nos frères cyberactivistes pour leur dire, il faut qu'on essaie, il faut qu'on apprenne à fermer notre bouche. C'est hyper important. Parce qu'il y a beaucoup de cyberactivistes qui ont créé des plateformes. Il y a beaucoup de cyberactivistes qui travaillent. Même ceux qui ne veulent pas, disons, s'exhiber sur la toile, travaillent en catimini. Mais par notre manière de faire, notre manière de parler, de nous exposer, d'exposer trop des plans, ça fait que parfois, là, on ne peut pas dire qu'on ne va jamais enlever Ouattara au pouvoir, même si on sait qu'il va tomber là. Mais l'homme qui est venu tomber, fait tomber Ouattara là, ne sera pas nous qui bavardions sur la toile, pierre, on dirait de l'eau là. Vraiment, je vais me calmer et terminer sur ce plan-là, et puis je vais rappeler encore passer ces 3 minutes, essayer d'y arriver. Et te rappelle là tout à l'heure. Bon, voilà, si on veut vraiment rentrer dans ce que Poutine dit quoi? Poutine, moi je pense que même Poutine parle même plus, il parle plus comment dirais-je, au bédier et à l'opposition quoi. Si vous voyez, il y a des choses qui sont tellement simples. L'opposition vraiment n'a pas eu un bon plan. Tous les plans de l'opposition là ont été dit à la télé, ou ont été dit sur les réseaux sociaux. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais est-ce que quelqu'un, est-ce qu'il est bête? Genre, tu veux braquer quelqu'un, puis tu lui dis, bon, demain, je viens te braquer. Mais je ne me prépare au braquage. C'est tout. Et c'est ce qu'on a fait. Parce que tous les plans étaient là, déversés. Une fois qu'on a dit qu'on va faire la désobéissance civile, il fallait juste se lever. C'est-à-dire que juste au stade, dit, à partir de maintenant, désobéissance civile, quand vous sortez d'ici, commencez à faire ça. Comme ça, le pouvoir n'a pas le temps de se préparer. Et Ado, comme c'est quelqu'un qui est intelligent, et comme j'ai toujours dit, il est très intelligent, une fois que vous lui avez donné votre plan, il a bien cerné Abidjan. Il a bien serré Abidjan. Il a mis toute la police, la gendarmerie, en fait, toutes les personnes qu'il sait lui sont fidèles, les a mis dans des points stratégiques à Abidjan. Même quand vous voyez les Bakavei, tout ça là. Des 1400. Aujourd'hui, il a tout fait. Il les a utilisés sciemment pour cerner Abidjan, pour sécuriser Abidjan d'une telle façon qu'il est impossible même de sortir et puis de marcher. Donc, il ne fallait pas donner le plan. Il fallait juste agir au moment opportun. C'est tout. Et j'espère qu'ils ont retenu, ils ont retenu leur leçon. S'ils l'ont retenu, s'ils ne l'ont pas retenu, en tout cas, voilà. C'est ça. Ça va continuer, ça ne va jamais marcher. Ça va jamais marcher. Quand ils sont allés, ils ont fait ils ont fait leur meeting chez Bédié et qu'ils voulaient déclarer leur gouvernement, patati patata. Mais tout le monde savait qu'ils allaient le faire. Il a envoyé ses policiers et ils ont arrêté tout. Ils ont pris leur téléphone et tout. Ils ne peuvent pas communiquer. Donc, si l'opposition ne commence pas à réfléchir, et avant de, c'est-à-dire qu'avoir un plan A, un plan B, un plan C, sans le divulguer sur les réseaux sociaux ou bien sur la plateforme GSK et tout. Mais même la vidéo où Soro est en train de dire Alassane ne sera pas président, bon, je vous dis tout ça. Mais quand tu préviens quelqu'un, tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux que cette personne en fasse quoi? La personne, si se prépare sur le terrain,
pour éviter toute entrave à ce qu'il veut faire. Donc, je ne comprends pas cette stratégie-là. C'est-à-dire, par exemple, moi, si moi, je voulais, par exemple, faire un truc en Afrique, je n'allais jamais dire à personne. Si j'étais militaire formé, très bien formé, sniper, je vais simplement rentrer au pays, je vais faire mon business seul. Je prends mon sniper. Il y a des armes sniper aujourd'hui, là, au moins un kilomètre même, tu peux dégommer quelqu'un. Les gens font leur meeting, tu entends, po, il y a un qui est parti. Je m'en vais, il disparaît, il m'en va au travail. Un autre meeting, po, il y a un autre qui est parti. En même temps, je rentre dans Bruce. Il n'y a pas quelqu'un qui travaille avec moi. Il n'y a pas quelqu'un qui sait quoi. Quand j'ai fini, quand il dégomme deux, trois présidents, il envoie un email. Il envoie un email. Il dit, bon, si vous ne changez pas le gouvernement, là, il y a un autre qui va partir. En même temps, quand il arrive à 10, c'est les gens eux-mêmes qui lèvent les mains, qui disent qu'ils démissionnent. Parce que, ah, tiens, mon frère, quand les gens commencent à partir, là, le pays va changer. L'Afrique va changer. C'est parce que nous tous, on fait beaucoup de bruit. Si c'est les Whitey là, c'est un seul gars qui règle ça. C'est un kamikaze, c'est lui ce qui règle ça. Il fait ça en live TV même. Meeting à la télé, lui, il vient, il fait seulement son ken. Boum, 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 lui-même, il douffe. Il a douffe, c'est fini. Mais il a fait son ken. Ce qu'il doit faire là, il a fait. Quand on fait ça une, deux fois, trois fois, toute l'Afrique va changer. Parce que malgré tout là, le président, même s'il veut rester là, il ne veut pas prendre balle. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Aujourd'hui, la population ivoirienne souffre. Je sais. C'est difficile pour la population ivoirienne. J'ai appelé des gens, j'ai discuté avec des personnes. La peur est palpable. Tout le monde me dit, la peur est palpable. Tout fait peur aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On ne sait pas ce qui va se passer. Les gens gardent leur vivre. Il y a plein de choses. Mais c'est normal. Il faut pas avoir peur. Il faut pas perdre cette confiance que vous avez là. Oh. Mon ordinateur. Comment je vais dire ça? J'ai mis le système de sleep mode. J'ai mis ça 5 minutes. Que Dieu ne me Dieu va jamais me donner cette force-là. Dieu va me donner cette force-là, Laura. Moi, il te dit ça. Oui, un frère a écrit que j'aimerais bien le saluer, qui s'appelle Moussa Diarra, parle de immense surprise. Je suis d'accord avec lui. Vous voyez, c'est ce que je dis. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que ce ne sont pas des développements qu'il faut le faire parfois sur la toile. Ça, c'est clair. Moussa Diarra, ou Diarra, là. Si tu peux laisser ton contact à la dame, se laisse le ton contact, il va me donner, on va parler. C'est clair. Maintenant, parlons de mon élément à Montano, que hier, là, je me suis régalé avec lui dans mon direct d'hier nuit. Ah, ah, comme tu disais tout à l'heure, nous étions les seuls sur la toile. A dit, cette manière de l'opposition d'attraper toutes les branches, ce n'est pas bon. On avait dit, c'était mieux même qu'à Fingessa et Mamadou Koulibaly laissaient les gens venir vers eux que eux là, d'aller vers les gens. C'était une très mauvaise stratégie. La preuve, nous voyons la preuve. Quand j'ai entendu les gens sur la toile dire, tous ceux qui se libèrent de Ouattara n'ont qu'à venir pour qu'on crée la chute de Ouattara et qu'après on va régler nos problèmes. Est-ce qu'à Montano là, regardez, hein, il voit rien. Mais regardez ce qu'il a fait. Mabri toi que cela pour lui là, c'est en train de clignoter quoi. Dans peu de temps, ça va sortir aussi. Ce qui est bizarre, à Fingessa, et puis Mabri toi qu'est-ce qu'ils ont lancé mandat d'arrêt. Pendant qu'Amantano était avec eux, mais lui, ils n'ont pas lancé mandat d'arrêt. Intéressez-vous à cette question. Intéressez-vous un peu seulement à cette question. Pendant qu'il était avec eux. Mais pourquoi c'est Mabri? Parce que Mabri, toi, qu'est-ce qu'il a laissé Ouattara bien avant Amantano?
Et lui-même, là, il a fait part de son mécontentement. Mais dites-moi un peu, donnez-moi les raisons un peu pour lesquelles Amontano a laissé Ouattara. Moi, je le dis, frère, quand tu as été dans un domaine, tu sais quelque chose, tu as conscience ou tu as connaissance de quelque chose qui ne va pas durer, qui va se casser. Parce que c'est très facile de venir dire à quelqu'un qui rentre dans ta maison, viens, on va manger ensemble, ou bien viens, on va dormir ensemble. Mais tu ne sais pas qui est ton ennemi, qui rentre dans ta maison pour venir espionner tes faits et gestes et aller rendre compte. Je dis, tous ceux qui viennent dire qu'ils sont avec vous là, le muet espion là, c'est lui qui va prendre un couteau pour couper son doigt, pour te donner son doigt là. C'est lui qui va te trahir hier et demain. Amantano était le seul au stade qui a dit, je suis prêt à mourir pour mon pays. Amantano, les morts là, c'est où? Tu n'es pas encore mort, hein? J'aimerais dire ici aux gens, profiter et dire ici aux gens, suite en direct que Amantano se cache dans une résidence privée. Parce que moi, je l'ai dit, au stade où je suis arrivé là, mes frères ivoiriens sont morts. Donc, Amantano, là, je n'ai pas pitié de lui. Amantano se cache dans des résidences privées qui se situent à la Riviera. Je préfère ne pas donner plus d'informations. Mais Amantano se cache dans des résidences privées à Cocody. C'est là-bas qu'il se cache. Des résidences que les gens mettent en location là. C'est dans l'une de ces résidences-là qu'Amantano se cache. Je préfère ne pas aller loin. Mais dis aux gens que nous allons débusquer Amantano dans quelques jours. S'il écoute ton message ou qu'il écoute mon message d'hier là, il n'a qu'à se déplacer. Mais j'aimerais dire ici aux gens, le combat que nous sommes en train de mener là, ce n'est pas un combat pour un homme politique ni un parti politique. Mais il s'agit d'un combat pour les Ivoiriens. Parce qu'Amantano était conscient qu'il allait trahir les Ivoiriens. Mais il était en accord avec eux pour lancer la désobéissance civile. Amantano, mais si tu savais que tu allais trahir les Ivoiriens là-haut, mais pourquoi tu as été au stade Félix Houphouët-Boigny? Pourquoi tu as participé au lancement de la désobéissance civile? Et venir pendant qu'il y a encore des morts, Affingué sans se faire traquer. Monsieur Henri Conan Bédié est muselé chez lui à la maison. Et c'est là maintenant que tu vas venir dire que tu es en désaccord avec la CNT. Ouais, politique de Côte d'Ivoire. Si on t'a expliqué que tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Mais si on t'explique que tu n'as pas compris là, c'est que toi, on t'a bien expliqué, mais tu refuses de comprendre. Mais je dis ici que le combat que nous sommes en train de mener et que depuis hier, ce que nous avons vu sur la toile, maintenant là, on ne parlera plus d'un homme politique. On parlera que du peuple. Et le peuple doit défendre sa nation. Et le peuple va défendre sa nation. Alassane Ouattara va tomber. J'assume et je persiste là-dessus. Il va tomber. Point. C'est tout. Merci à tout à l'heure. Je voudrais vous montrer quelque chose que le leader a posté aujourd'hui. Et puis c'est important de savoir qui est Mamadou Koulibaly. Parce que je pense que les gens ont oublié Mamadou Koulibaly. C'est pas pour faire son entalakou, mais c'est important de savoir qu'il y a des gens, il y a des gens qui sont très importants pour le pays, mais on ne les voit pas. D'abord, je vais vous poser une question. Quand j'avais mis le truc d'Amontano là, vous avez vu, non? C'est bien sorti, j'espère. Parce que j'ai créé un autre schéma de scène, c'est-à-dire que je peux aller sur une scène et sur une autre. Quand j'ai mis le document d'Amontano sur le live, est-ce que vous l'avez vu? J'aimerais bien savoir d'abord. Comme ça, je peux vous montrer la vidéo que je veux vous montrer, parce que c'est une vidéo qui est très importante. Donc, j'attends de voir si ceux qui étaient là depuis le départ, si ils ont vu quand j'ai changé de scène. C'était visible, j'espère. En tout cas, Amontano, malgré qu'il fasse partie de l'opposition et qu'il soit parti au stade, il est toujours à Abidjan et il n'est pas inquiété par Alassane Ouattara. Donc, pour moi, comme pour Poutine, il y a anguille sous roche. Mamadou Koulibaly, une rencontre de concertation a eu lieu ce matin à l'Hôtel Ivoire, où depuis hier nuit, les forces Likone ont positionné une centaine de chars. À ce propos, les rumeurs les plus folles ont parcouru la ville d'Abidjan et celle de l'intérieur du pays. Ce matin, vous le savez tous, il y a une tension relativement forte à l'Hôtel Ivoire
avec un face-à-face entre les populations civiles ivoiriennes et les forces françaises. Et devant cette inquiétude et la tension qui monte et les différents appels que nous avons à la radio et à la télévision, il nous a semblé utile d'intervenir le plus rapidement pour rassurer les populations, les Ivoiriens comme les non-Ivoiriens, pour que les uns et les autres nous nous calmions. Pour que les uns et les autres nous nous calmions et que progressivement nous gérions la situation actuelle, qui est difficile, mais qui en réalité peut se gérer quand nous nous serons expliqués. Alors, dans ce sens-là, il y a autour de moi le général Poncé, qui commande les forces françaises en Côte d'Ivoire, le général Fall, qui commande les forces des Nations Unies en Côte d'Ivoire, le général Doué, qui commande les forces armées nationales de Côte d'Ivoire, accompagné des générales Bombé et Touvoli. Alors, mon général Poncé, ce matin, moi, j'ai été appelé de toute urgence avec des gens qui hurlaient de frayeur que des colonnes de chars de vos unités se dirigeaient sur Cocody, avaient pris l'hôtel Ivoire, s'installent à l'hôtel Ivoire dans le but de renverser le régime de Gbagbo Laurent. On envisage l'enlever. Ouattara est dans un avion qui arrive, ou même il est dans un de vos chars garé dehors pour être installé au pouvoir tout de suite. La tension a monté vivement et je ne suis pas sûr que ce soit les conditions les meilleures de travail aussi bien de vos hommes que des jeunes qui sont dehors. Et pour la Côte d'Ivoire entière d'ailleurs, après ce qui s'est passé avant-hier et hier, nous nous sommes convaincus qu'il nous faut maintenant aller vers le calme. Et dans cette optique, j'aimerais bien vous poser la question, quel est le sens de tous ces mouvements de vos troupes, qu'est-ce qui est recherché, combien de temps ça va durer, quels sont les différents sites comme ça que vous avez à Abidjan, ce sont les questions que les gens se posent dehors. Au nom des forces licornes qui sont suspectées de faire un coup d'État, après avoir éliminé le président Laurent Gbagbo, le général Poncé a tenu à faire les précisions suivantes. Je commencerai par une déclaration solennelle que je fais au nom du gouvernement français et du président de la République, M. Jacques Chirac. Il n'est absolument pas dans l'intention de la force licorne de renverser le président Gbagbo. Le président Gbagbo représente un gouvernement légal, élu au suffrage universel, et la présence de la force licorne aujourd'hui dans Abidjan a uniquement pour but de rassurer et de sécuriser la communauté expatriée, qu'elle soit étrangère ou française. Et il se trouve effectivement qu'à un moment donné, un des éléments a pris la mauvaise direction, ce qui a laissé penser que les forces françaises allaient vers la présidence. Ça a été rectifié, grâce d'ailleurs à l'intervention de l'état-major Fancy, qui nous a remis sur la bonne route. Le général Fall, chef d'état-major des forces de l'ONUSI, a donné quelques explications sur les dispositions dans le domaine sécuritaire en cas de crise comme celle que connaît en ce moment la Côte d'Ivoire. C'est en cela que nous saluons l'initiative qui a été prise par M. le Président de l'Assemblée nationale de convoquer cette séance pour apaiser les esprits, faire revenir le calme. Le général Poncé a parlé des îlots de sécurité qui sont développés au niveau de la France. Cela est vrai aussi au niveau de la communauté internationale. Nous avons aussi un schéma intégré pour anticiper sur tout ce qui pourrait se passer comme dégradation de la sécurité au niveau du pays. Et c'est en cela aussi que le système des Nations Unies a développé des îlots au sein desquels les populations civiles qui se sentiraient menacées viendraient bénéficier de la protection des forces de l'ONUSI. Et ceci est une des dispositions de notre mandat. Le général Mathias Doué, chef d'état-major des FANCI, dans le même ordre. Bon, je m'arrête là. C'est pour montrer que Mamadou Coulibaly
a pris ses responsabilités avant. Dans sa position qu'il avait là, il a pris ses responsabilités avant. C'est pour ça que je pense que ce monsieur-là est le meilleur, sinon la meilleure personne, le meilleur politicien pour diriger la Côte d'Ivoire et pour changer la Côte d'Ivoire. En ce moment-là, il n'était pas président, il a pris ses responsabilités et il a stoppé les Français quand ils partaient faire leur coup d'État. Et ils partaient faire le coup d'État. Les Français, avec tout leur GPS et tout ça, ils se sont perdus dans Abidjan, ils se dirigeaient vers la présidence. Vraiment, Amadou Coulibaly, chapeau. Chapeau. Ce sont ce genre de personnes dont on a besoin pour changer ce pays-là. Et les gens ont oublié tout ce qu'il a fait pour le pays. C'est pour ça que j'aimerais faire un rappel ici avec cette vidéo-là, pour vous montrer à quel point ce monsieur-là tient à la Côte d'Ivoire et à quel point c'est un saint auquel on peut se vouer. Maintenant, revenons sur l'actualité de la Côte d'Ivoire. Il est important de comprendre que ce combat-là, encore je le dis, je le répète, il est grand temps de comprendre que ce combat-là, c'est le combat pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un combat contre Alassane Ouattara. Et de deux, est-ce que vous avez vu des vidéos de Chris Yapi? Il y avait deux messieurs qui étaient assis sur le gazon, comme on dit chez nous, là, sur l'herbe. Et puis, il y avait un monsieur qui était pendu. Et c'était les mêmes personnes qui avaient pris en otage, qui étaient en train de torturer Mimo. Mimo n'est pas encore décédé, je ne sais pas ce qu'ils vont faire de lui. Sûrement, il va finir à la Maca. S'il finit pas à la Maca, il va finir quelque part, je ne sais pas où. Si on le tape avec les marteaux et tout ça, donc je ne sais pas. Je ne sais pas, vous avez vu ça, son corps, vous avez vu son visage, vous avez vu son nez. Le monsieur, il est mal en point, je ne sais pas. Et Rimo, je ne sais pas s'il va survivre jusqu'à ce qu'on puisse l'aider, mais j'espère qu'il est encore en vie. Vous avez vu le monsieur qui était pendu, qui était là pendu sur une branche comme ça, en plein jour? C'est ce que vous voulez que la Côte d'Ivoire soit si vous ne sortez pas? Les représailles qu'il y aura après, si Alassane Ouattara garde ce pouvoir-là, la purge a déjà commencé. Les gens sont en train de mourir. Les opposants sont emprisonnés. Abidjan doit sortir. Abidjan doit répondre à l'appel. Tout le monde a peur, c'est vrai, mais il est très important qu'Abidjan rentre dans la danse. Tant qu'Abidjan ne rentre pas dans la danse, là, on est foutu. Ça ne passera pas du tout. Ça ne passera pas du tout. Ça ne passera pas du tout. Je ne sais pas si Abidjan va rentrer dans cette danse-là. Je ne sais pas quand elle va le faire. Qu'est-ce qu'elle attend? Et Bédié ne sortira pas. Bédié ne sortira pas. Afingessan ne sortira pas. Guillaume Soro, il est où? Mais Guillaume Soro, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas là où il est. Mais il a posté une vidéo dernièrement sur à propos de d'Afingessan. Et il a fait un discours sur Afingessan. Hein. Je ne sais pas, j'en avais parlé. Mais bon, je ne sais pas ce que Guillaume Soro fait. Mais je sais qu'il ne va pas abandonner comme ça. Il ne va pas juste rester là comme ça. Et en tout cas, c'est dommage parce que je ne sais pas ce qui va se passer, mais il est très important qu'Abidjan rejoigne le truc. Je ne sais pas pourquoi Abidjan, je ne sais pas, c'est la peur. Je ne sais pas qui vit à Abidjan qui peut me dire qu'est-ce qui se passe à Abidjan et pourquoi Abidjan ne répond pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais cette lutte-là ne se gagnera pas sans Abidjan, ça c'est clair. Ça ne se gagnera pas sans Abidjan. Et voilà, s'il n'y a pas de mouvement à Abidjan, Alassane reste. Je ne sais pas pour combien de temps. Je ne sais pas pour combien de temps. Il y a quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui que peut-être que si Alassane passe, il fera de son frère, je ne sais pas, quelque chose, je ne sais pas quoi, pour prendre la relève. Peut-être que ça va devenir un business familial, là où Photocopie va devenir quelqu'un, président après, je ne sais pas, peut-être. Pourquoi vous voulez que le pays brûle? Issa Touré. Pourquoi vous voulez que le pays brûle? Moi, je ne comprends pas cette histoire de vouloir que le pays brûle. Pour Abidjan, très belle question.
Abidjan, c'est le moment. Très belle question. Je vais te donner au moins la réponse d'analyse que je peux te donner. Lorsque le président Laurent Gbagbo était opposé au président Félix Houphouët-Boigny, nous tous avions vu et avions compris que le combat se prenait dans les rues. Le président Laurent Gbagbo, lorsqu'Alassane Ouattara était arrivé au pouvoir dans les années 90, disons en tant que premier ministre, on a tous vu que le président Laurent Gbagbo s'est fait frapper, s'est fait malmener. Même son bras était déplacé. Il a même fait un accident. Accident qu'on trouvait même ambigu, même très, très bizarre, roro. Mais en tout cas, sa femme aussi, humiliée, frappée, emprisonnée. Mais j'aimerais poser une question à nos nouveaux opposants. Parce que tu as posé la question pourquoi Abidjan ne sort pas. J'ai donné la réponse. La chute du président Laurent Gbagbo a démoralisé beaucoup de personnes. Et on a tous cru que le président Laurent Gbagbo allait revenir aussi tôt. Parce que lui et le ministre Charles Blé Goudé étaient les seuls qui arrivaient à galvaniser la jeunesse de Côte d'Ivoire et le peuple de Côte d'Ivoire. Je ne suis pas un pro-Gbagbo. Pour ceux qui me considèrent comme pro-Gbagbo, mais quand il y a la réalité, il faudra le dire. Nous avons une classe politique, le plus courageux, disons les plus courageux actuellement que moi je vois et que j'observe et que je sais que si Ouattara tuait ces personnes, la Côte d'Ivoire allait sortir, le peuple allait sortir. Il s'agit du président Henri Konan Bédié et du ministre Pascal Assi Nguessan, qui a été courageux, qui a même fait dans son interview où on lui disait, monsieur, vous n'avez pas peur d'aller en prison? Il dit non, la prison c'est pour les hommes. Il a déjà fait la prison. Donc lui là, il mène son combat pour la Côte d'Ivoire et ce n'est pas la prison qui va l'effrayer. Chapeau à vous, cher ministre. Quelqu'un m'a dit, et depuis un moment, vous voyez, pendant qu'on insultait Assi Nguessan, le traiteur de traite, nous étions deux sur la toile à n'avoir pas insulté Assi Nguessan. C'est-à-dire, moi et mon confrère Black Modo. Parce qu'on savait ce qui se tramait, on savait ce qui se disait, on savait que c'était un plan, une stratégie pour décrédibiliser Assi Nguessan au profit des personnes qui veulent tuer le parti du président Laurent Gbagbo et démoraliser le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, l'histoire nous a donné raison, la patience nous a donné raison. Chapeau à vous, monsieur Assi Nguessan. Un jour, si vous n'êtes pas encore mort et que la Côte d'Ivoire sort de cette histoire-là, je vous promets que vous serez le président de la République de Côte d'Ivoire. Parce qu'un tel homme-là, ça se salue. Un tel homme, ça s'acclame. Le président Henri Konan Bédié veut mourir en martyr. Pas en martyr dans le sens négatif, mais dans le sens positif, parce qu'il sait que si aujourd'hui Alassane Ouattara est au pouvoir, il a une part de responsabilité. Ce qu'Alassane Ouattara fait aujourd'hui aux Ivoiriens, lui aussi, il a une part de responsabilité. Alors, il est important pour lui qu'il se rachète aux yeux des Ivoiriens. Si aujourd'hui le président Henri Konan Bédié trahit ce combat, je te promets qu'il ne sera pas à l'aise avec lui-même, sa propre conscience, avec l'âge qu'il a aujourd'hui. Donc, il est prêt à payer le plus lourd pour que l'histoire retienne que, malgré ses fautes, Henri Konan Bédié a décidé de perdre sa vie pour sa nation, pour ses enfants et ses fils. Allez-y voir sur la page du PDCI. Vous allez voir que M. Jean-Louis Bion, qui est à côté du président Henri Konan Bédié, a décidé de dissocier le PDCI et le CNT. Vous allez voir que ce combat-là, et il est écrit encore que Jean-Luc Billon essaie de négocier avec le pouvoir en place. Je ne sais pas si c'est un coup de com', j'en sais rien, mais l'histoire nous laissera encore jusqu'au soir et demain analyser cela. Mais j'aimerais dire ici aux Ivoiriens que si les Ivoiriens ne sortent pas, c'est parce que Mabri Touakos a décidé de se cacher. Si les Ivoiriens ne sortent pas, c'est parce que Assou Ouadou a décidé de se cacher. Si les Ivoiriens ne sortent pas, c'est parce que on n'a pas de leader. Même si nous menons un combat pour la Côte d'Ivoire, mais il faut toujours un leader. Parce que sans leader, une armée ne peut pas tenir. Sans leader, un combat ne peut pas aller jusqu'à bon fin. C'est pas possible. On ne peut pas dire que nous sommes opposés. Nous sommes opposants. Et pendant qu'on veut montrer la dictature de ce pouvoir à la face du monde entier, et se cacher et dire aux enfants des gens de sortir. Mais écoutez, si on veut que les Ivoiriens sortent, Mabri Touakos, Assi Nguessan est en prison, il n'est pas mort. Tout le monde a vu qu'ils ont attrapé Assi Nguessan. Mabri Touakos, si tu aimes vraiment ton pays, là, sors dans les rues avec les Ivoiriens.
Vous verrez que les Ivoiriens vont sortir en masse. Parce que c'est ça qu'on appelle un homme politique. C'est ça qu'on appelle un opposant. Vous allez voir que ça va décanter les situations. Mais pendant ce temps, c'est nous cyberactivistes qui faisons le boulot sur la toile. Et eux, ils sont chez eux à la maison. Parfois, on est choqué, on se demande pourquoi est-ce que les gens refusent de sortir. Mais c'est à cause de ça. Parce que, comme je t'ai dit, une fois, on l'a dit, il y a un divorce entre les hommes politiques et le peuple. Mais ce divorce-là, pour qu'il soit défait ou pour qu'il soit délié, il faut toujours les hommes politiques qui viendront réconcilier le peuple. Les gens ont pensé que, avec ce qu'ils ont vu au stade, non, c'est fini, il y a réconciliation. Après le stade, là, tu te souviens, on a fait encore une vidéo où on a dit non, 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 il y a problème. Il y a toujours problème, mais le problème, là, voici ça. Mais quand on parle, les gens pensent que c'est parce que Adam et Poutine sont bêtes. Mais Adam et Poutine sont arrivés à un level trop loin. Mais vous, là, vous êtes trop dans l'euphorie pour vous, là. C'est du tic-tac, mais nous, là, on observe et on sait qu'il y a problème devant. La preuve, c'est pas Montano qui est parti. La preuve, c'est pas Mabrutoa que ce qui est caché là-bas comme un rat de brousse qui est en train de faufiler vrou vrou. Il ne sait même pas, il va finir par arriver dans mon village à Kradio, il va finir par sortir à Dabou et puis aller à Dimokro ou bien aller là-bas à Divo. Mais il a dit, c'est quelle manière de faire la politique pendant ce temps, on demande aux gens de sortir. Allez voir la bravoure du président Henri Colombédier. Malgré qu'il est encerclé, malgré qu'il est enfermé, il réussit à faire des postes où il encourage des jeunes à ne plus s'arrêter dans cette manifestation. Mais il ne peut pas parler là-haut. Soro, pardon. Moi-même, là, aujourd'hui, là, je te demande pardon. Tu aimes ta nation. Tu as dit que les gens n'ont qu'à rester sur leur position. Soro, les gens meurent. Les gens sont prêts à faire sortir Alassane Ouattara. Pardon. Où tu es là? Tu es le seul qui a la parole, qui peut avoir la parole. Demande aux gens de sortir. Soro, tu as ton GPS. Soro, vous êtes en accord avec des partis politiques. Même si je sais que... il y a un point d'interrogation. Mais je dis, pardon Soro, il faut dire aux gens de sortir. Parce que là, les Ivoiriens, là, ils n'ont pas peur de mourir pour leur pays. Mais c'est à cause de vous, là, ils sont enfermés chez eux. Vraiment, on a besoin d'un leader. Mais si on a des leaders qui sont en costume, qui ne font que faire lundi, il y a déclaration, mardi, il y a déclaration, mercredi, il y a déclaration, waouh, je me demande si un jour on va s'en sortir. Voici pourquoi je pose ma question. On en est Ouattara là. C'est pour qui et pourquoi? Par rapport à qui? Voici maintenant d'où vient ma question et que le frère Mioué n'a pas compris le sens de ma question. Mais là, il va comprendre ça maintenant aujourd'hui. Adam, à tout à l'heure encore. Ciao. Ah, il y a quelqu'un qui dit qu'on a qu'à finir de parler politique. Ils vont nous attraper. Je sais pas, on dirait que c'est Poutine. On dit qu'il y a John Farras qui dit... Non, c'est pas lui. Yao Alexandre Gourin dit qu'il faut finir de parler politique. Je vais t'attraper un jour. Ça, je mettais cette salle ici parce que c'est Peter 007. On lui a envoyé des images. Giglo est carrément en feu. Hein. C'est paralysé carrément. Ils ont paralysé Giglo. Donc, il y a des villes qui répondent vraiment à ça. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va partir. Si ils vont mettre les militaires sur toutes les voies pour pouvoir protéger tous les camions qui vont venir du nord vers le sud, du centre vers le sud, de l'ouest vers le sud. Parce que si le mot d'ordre là est suivi, jamais il y aura la chance pour les camions d'envoyer, par exemple, les denrées alimentaires et tout ça là, hein, sur Abidjan, parce que les gens ils vont les attaquer. Et ça, c'est le mot d'ordre. Plus on attaque les choses, moins d'argent, plus les opérateurs économiques perdent et ça paralyse l'économie. Donc c'est ça, cette phase 2-là, c'est paralyser l'économie du pays, et se faire en sorte qu'il y ait des pertes financières, de grosses pertes financières, et pour forcer Ado à la discussion. Voilà. Tu sais pas, tu veux appeler, mais tu ne sais pas comment tu vas faire. Ce n'est pas dû, man. Le numéro est là. Tu mets plus 61 sur WhatsApp. Plus 61... L'indicatif de l'Australie, 47 77 682. C'est très simple. Voilà. Donc, à la fin de la journée, c'est quoi? Ce truc-là, ce live-là, c'est pour renforcer, c'est pour demander aux jeunes d'Abidjan de sortir. Les jeunes d'Abidjan doivent sortir. Si Yopougon sort, Rivera doit sortir, Cocody doit sortir, tout le monde doit sortir. Mais comme Poutine a dit, je l'avais dit dans le live précédent, il était impératif que les leaders politiques eux-mêmes soient dans les rues. Mais ils sont tous assignés à résidence. Donc, Poutine, c'est un peu difficile quand on réfléchit à cela. Les gars sont assignés à résidence. Ils sont surveillés par la police. Ils ne peuvent vraiment pas sortir. Même s'ils le voulaient, ils allaient être arrêtés juste là, automatiquement, et puis ils allaient partir en prison. Donc, c'est un peu difficile pour eux. Je ne sais pas si on avait le leader de la galaxie patriotique, par exemple,
qui disaient certaines choses. Bon, comme ils sont aussi dans une situation difficile, entre griffes, Blé Goudé et puis Gbagbo, ils ne peuvent pas vraiment parler. Parce que bon, ça peut. Ils sont déjà à côté de la CPI. S'ils se lèvent et puis ils disent quelque chose, directement, ils vont ajouter ça sur les cas. Parce qu'il y a Fatou Bensouda qui les regarde chaque matin. Donc c'est un peu plus difficile pour eux de dire quelque chose ou bien de rentrer dans cette discussion. Hein. Donc pour moi, à la fin de la journée, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut faire sortir Abidjan? Ça, je ne sais pas. Guiglo est en train de brûler en ce moment. Ils ont commencé à brûler des choses. Bon, moi, je ne suis pas trop pour brûler, casser. Mais je suis beaucoup plus pour sortir en grand nombre. Parce que c'est important. Il faut qu'on sorte en grand nombre pour dire non à cette forfaiture-là. Voilà. Donc, c'est un peu ça mon message d'aujourd'hui. Et aussi, à Montano, je me rends compte que à Montano a toujours été payé. En tout cas, est venu comme une taupe dans l'opposition, juste pour prendre des informations et puis les balancer. Pourquoi est-ce qu'il y a des mandats d'arrêt contre tout le monde sauf eux? Donc voilà, voilà, c'est ça. Someone is calling. C'est moi. Ouais. Ouais, Yadi, tu as posé la question de savoir. Tu as dit que tous sont aujourd'hui assignés à résidence. Ouais. Bon, à ce que je sache, à Montano, bon, lui-même, je ne sais pas pourquoi il parle de lui. Eh, ça fout l'ail. Bon, Mabri Touakez n'est pas assigné à résidence. Mabri Touakez est en fuite. OK? Ils ont attrapé, comment on appelle, Afi Nguessan. Et nous tous, on l'a vu. La logique a démontré qu'Afi Nguessan partait chez lui. Ils l'ont attrapé sur la route à Akoupé parce qu'il partait chez lui à Bangouano. OK. Mabri Touakez. On sait qui est Alassane Ouattara. On sait qui est ce sanguinaire. Excuse-moi pour le mot, c'est fort. Mais qui est ce sanguinaire Alassane Ouattara? Mabou Touakez, si c'est ta vie qui doit libérer la Côte d'Ivoire, qui doit permettre aux gens de sortir dans les rues, là, pardon, faut sortir. Écoute bien ce que je vais dire. Hein, parce qu'au stade où je suis arrivé là, moi, je préfère te dire, cache ce que je pense. Si c'est parce que le président Bédié, pour le sacrifice qu'il est en train de faire énorme, demain, si Dieu lui permet de l'enlever sur terre, et que son sacrifice doit permettre à la jeunesse de Côte d'Ivoire de sortir, frère, ça n'a qu'à se faire. On est arrivé à un stade où il faut un sacrifice ultime pour libérer cette nation. Au même titre que Amadou Bon Coulibaly a payé le plus cher, paix à son âme, le plus cher pour qu'Alassane Ouattara soit candidat. Et aujourd'hui, il y a Bafou en Côte d'Ivoire, il y a Bafou au pays. Là. C'est au même titre que nos hommes politiques, là, pendant qu'ils pensent à sauver leurs fesses, nos jeunes meurent. Pendant que tu es là, va sur Facebook ou bien sur YouTube, il faut taper Mbato. Tu vas voir ce qui se passe là-bas. Okay, je vais voir ça. Un peu près dans le département de Bangouano, pas loin de Bangouano, parce que j'étais à Bangouano. Donc je connais un peu Mbato, je connais un peu Broukro, Akakro et puis Assaoufo et tout ça. Là. Tu vois, à cause de la désobéissance civile, à cause de tout ce qu'ils ont dit là, voici ce que le peuple de Côte d'Ivoire est en train de subir. Dans chaque région a son attaque, chaque région a son gâteau qu'il doit, manger ou qu'il doit vomir. Moi je dis, le sacrifice ultime demande à ce que nos hommes politiques aujourd'hui là, arrêtent de penser à eux, mais pensent à la nation. Si on les arrête là, la communauté internationale verra. L'Ivoirien en question lui-même sera révolté. Tu sais, il n'y a rien d'autre que de fouetter l'orgueil d'un peuple pour que ce peuple-là puisse se révolter ou se réveiller. Tu penses que la MACA peut supporter 1 million de prisonniers ou la MACA peut supporter 2 millions de prisonniers pendant qu'on est 26 millions? Frère, il ne faut pas t'amuser avec la force d'un peuple. Ne t'amuse pas avec la force d'un peuple. Nous, on a toujours dit sur cette plateforme, la stratégie de nos partis d'opposition a été mauvaise depuis le départ. Mais là, on est arrivé à un plat tournant où on est arrivé à un tournant où ils n'ont plus droit à l'erreur. Monsieur Soro, qui est le seul qui peut parler là, il n'a qu'à parler. Parce que plus il va se taire, il va occasionner ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. C'est bien beau d'aller traiter les Blancs. Hein. Moi, je ne sais pas ce qui donne le blanc là-bas. Je ne sais pas ce qui est, combien il est en train de vendre la Côte d'Ivoire avec les Blancs et tous ces traités qu'il est en train de signer là-bas. Moi, j'en sais rien. Pour le moment, là, pour le, comme les gens disent, ce n'est pas le moment. Pour le moment, je n'ai pas trop envie de parler de ça. Mais je sais que lui seul, il sait ce qu'il est en train de vendre là-bas. Voilà, ça, c'est clair. Mais moi, là, en tout cas, si on veut enlever Ouattara, il n'a qu'à parler. Il n'a qu'à sortir. Ça va nous aider. Parce que la CNT, là,
Aujourd'hui, on a compris que c'est parce que chacun voulait manger, chacun voulait bouffer, comme on a dit. C'est parce qu'ils ont pas, ils sont pas mis en accord qu'aujourd'hui on est arrivé là où on est. Sinon, s'ils étaient mis en accord là, du moment où le président Bédié était déclaré président de la CNT, il pouvait faire une vidéo préenregistrée, envoyer ça à Afrique Média pendant qu'il savait qu'on allait l'arrêter, ou envoyer ça à tous les hommes, même Soro, tout et tout et tout. Mais une fois qu'on l'arrête là, le gouvernement est publié. La communauté internationale sera obligée de reconnaître le président Bédié de manière légale. Ouattara allait le libérer. Mais comme ils sont encore dans l'ancien système, ils ne connaissent pas la force des réseaux sociaux ou des chaînes sur les réseaux sociaux. Voici pourquoi on est là, là à ce stade-là. Mais vraiment, c'est eux seuls qui peuvent décanter la situation. En tout cas, nous, on le fera. Nous, en tant qu'Ivoirien, en tant que jeunes, on le fera. Mais ça va chauffer. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Ciao. Mais je me pose une question moi-même là. Pourquoi Mamadou Coulibaly, lui-même, il ne prend pas le taureau par les cornes? Pourquoi ce n'est pas lui qui dirige? Pourquoi ce n'est pas lui qui demande aux jeunes de sortir? Moi, je suis un peu confus avec toute cette histoire-là. Il y a une autre voix qui dit « Sa Majesté Ouattara, premier roi de Côte d'Ivoire ». C'est allé loin, là. Nana Ado. Ça, c'est Nana Ado, ça. J'ai pas pu trouver ce que tu dis sur Bato. Tout ce que j'ai vu, c'est un post d'une femme qui s'appelle Madeleine Kondo qui dit que les amis de Bato ont fui. Ils ont fui Bato, ils sont allés en brousse. Donc, je sais pas ce qui se passe là-bas. Il n'y a pas de vidéo que je puisse vraiment... Ah ouais, il y a une vidéo là que je vois là en ce moment. Ok, ça... C'est tout. La brigade Mbato envahie par des manifestants. Ils sont venus nous arracher les unes dans la brigade. Voici, les voici. Voilà, en train de casser tout. Ah non, ça c'est différent. Ça c'était lors des élections. Ah, ça c'est la désobéissance à Mbato. Non, mais. Non, 1er novembre, ça c'est la même vidéo. Donc je vois pas là, ce qui se passe à Mbato. Mbato à Bango, 90% des femmes. Bon, je sais pas. J'ai pas pu trouver un truc relatif à Mbato qui montre par exemple ce qui se passe aujourd'hui à Mbato. Donc je peux pas vraiment diffuser ça. Alors, c'est une vidéo du moment des élections du 31. Donc je n'ai pas le lien de ce que tu me demandes là. Donc voilà. Non, une chose est claire, c'est quoi? C'est que voilà, mon message d'aujourd'hui c'était ça. Si l'opposition ne réussit pas à faire sortir Abidjan, c'est cuit. Et Alassane Ouattara a pris toutes ses dispositions pour ne pas que Abidjan sorte. Voilà. Vous savez, tant que le Gbakavé peut opérer, vraiment, il n'y aura rien. Alors, je viens de recevoir une vidéo de Poutine. Ya
Wow. Ça, c'est une attaque de... Donc, je vais pas dire Djula, mais bon, ça... Ça, tu sais que c'est une attaque... Voilà, bon, tu entends les Aïna, Aïna, Afara, les choses comme ça. C'est que, bon, tu sais, c'est qui attaque qui, quoi. Il y a les machettes, tout ça, là. Donc, je sais pas ce qui se passe en bateau, mais ça n'a pas l'air bon. Ça, c'est le... Ça, ce sont les coins aux alentours du fief... d'Afingessa. Donc il y a des hautes tensions, il y a la tension haute en ce moment. C'est... Ouais, c'est dommage, mais bon, voilà, c'est là où on va, hein. Vu ce troisième mandat là, c'est là où on va, c'est... Il va falloir que les choses changent, les choses changent pas, ça va... L'accent Djula n'est pas ivoirien, non, ce que tu dis là, ça n'a aucun sens, les Djula sont ivoiriens. Djula, c'est un groupe de personnes qui parlent malinké, bambara et tout ça, qui peuvent se parler entre eux. Donc, c'est des Ivoiriens. Donc, c'est pas une question d'Ivoirien, mais tu n'es pas Ivoirien, tout ça. Mais bon, c'est pas là la question. La question, c'est les violences qui, interethniques qui sont en train de se produire dans le pays. Et c'est ce qu'il faut éviter, parce que c'est ce que les politiciens veulent, en fait. C'est ce que surtout le gouvernement veut, qu'on dise qu'il y a des, que ce sont des ce sont des Ivoiriens qui sont attaqués par et puis bon, ça crée ça, hein, violence intercommunautaire et puis tout. Mais sinon, le vrai sujet, c'est pas ça. Le vrai sujet, c'est pas ça. Mais à la fin de la journée, ce combat est perdu si Abidjan sort pas. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Si Abidjan sort pas, tout ça là, c'est zéro. Ça ne marchera pas. Voilà. Si Abidjan ne sort pas, ça ne marchera pas. Et tout va foirer. Et puis, bon, voilà quoi. Cette désobéissance civile-là va s'éteindre peu à peu. Parce que ça, c'est l'objectif du gouvernement. Aujourd'hui, c'est chaud. Et puis, peu à peu, ils espèrent que ça va, la situation va se diffuser d'elle-même. Peut-être en 2-3 semaines. Et puis, tout va aller. Et puis, bon, maintenant, il va prêter serment. Et puis, il sera... président, et puis c'est fini. Voilà. Et puis bon, je sais pas, peut-être qu'il y aura une autre phase plus politique qui va être mise en place, ou bien à la fin de la journée, si tout ça marche pas, la seule chose qui sera en vue, ce sera prendre les armes, bien faire un coup d'état, des choses comme ça. Mais je veux pas qu'on arrive là. Je préfère que le peuple lui-même décide de son destin en sortant et puis en mettant la salle à l'écart. Donc voilà, je vais pas trop durer là, il est minuit 17 maintenant. Voilà, donc je vais partir. Je vais partir me coucher. Il n'y a pas trop la pêche aujourd'hui, tout qu'on fait. Voilà, mais avant de partir, je vais vous balancer un son comme d'habitude. Et puis bon, voilà. Donc aujourd'hui, je n'ai pas trop la pêche. Demain, je vais faire ça un peu plus tôt. Voilà, si je viens demain, puis je vais prendre les informations, je vais mieux m'organiser, puis je vais venir, je vais faire mon live. Donc voilà, on va partir en ancienne musique comme d'habitude.